Bonsoir les gens, c'est Willy, on se trouve pour l'épisode 15 de notre Let's Play sur Super Mario Galaxy. Ma voix est un petit peu partie en couille, hein. Désolé, c'est le matin. Du coup, je vous retrouve dans la salle des machines. On va continuer là où je vous avais laissé. Je t'avais laissé justement après avoir fait le bois d'automne, qui est une comète, mais on va pas la faire. On va commencer par cette galaxie là. On va essayer de faire les deux, peut-être même les trois. Boucle Océane, ah, je crois que c'est le truc avec Larry, j'aime pas Larry. Je sais plus, mais je crois que je l'aime pas celle-là. Dans le sillage de Polo, la boucle Océane. Alors, voilà, mon son est un petit peu fort, je recule un peu le micro, voilà. Il faut que je fasse la course avec lui, non? Oh si c'est ça, c'est chiant. Mais j'ai des mauvais souvenirs de ce niveau. Enfin, des niveaux comme ça, là, avec de l'eau à moitié dans le vide. Ah, qu'est-ce qu'il me dit, ce petit pingouin? Oh, si seulement on pouvait se débarrasser de Polo. Ici, c'est la boucle Océane. Mais en ce moment, on peut pas s'y amuser à cause de Polo, les polars. Ici, dit le dos d'un télo. Oh, nous sommes venus chercher une super étoile, mais ce n'est pas le moment, on dirait. Ah, voilà le fameux Polo. Je vais lui régler son compte en un clin d'œil. Ouais. Hop, allô Mario. Mario. Merci. Y a pas de carapace. Oh, me dites pas que je nageais comme ça avec lui, hein, c'est chiant. T'es qui toi? Un pote des pingouins? Si tu veux que je te vide les lieux, passe à travers les 8 anneaux que je vais envoyer. Ah. Bah c'est peut-être un petit peu plus simple que je le pensais. Par contre, Mario, solo s'il te plaît. Voilà. Excusez-le, il est un peu débile hein, solo. Oh, une carapace, je vais la prendre. Merci. Comme ça, ça va aller beaucoup plus vite. Oh, le cinquième, il va être là, non? Ah non, même pas. Hop. C'est bon, je l'ai pas raté. Plus que 4. Non, qu'est-ce que tu fais? Mario! Allez, au revoir. Je lâche cette carapace. Non, c'est bon. Par contre, à côté des tourbillons, c'est pas le top. Allez, hop, on va accélérer un petit peu. Polo ne va pas encore chier d'autres cercles. Ah, il en a chien, c'est bon. Hop. Allez, plus qu'un. C'est bon. Eh ben, finalement, c'était simple. Hein. Pourquoi j'ai des mauvais souvenirs, alors? Peut-être que je mélange avec le niveau de l'arrêt. Qu'est-ce qu'il dit? Eh, tu te débrouilles pas mal pour un humain. Bon, tu as une parole. Ce coin de mer est à vous. Ah bah il est pas si méchant. Ok, j'ai obtenu une nouvelle étoile. C'est quoi les autres niveaux du coup? Parce que s'il n'y a pas de course... Eh bien je me rappelle pas de ce qu'il y a. Bon, on va voir ça tout de suite, hein. Mais ça m'intrigue le truc au centre aussi. Alors. Course folle avec les pingouins. Ah, voilà, une course. J'aime pas les courses.
L'eau, c'est pas très maniable, hein. Ah oui, oh. Oh là là. Oh là là, j'aime pas ça. Hop, on récupère un petit peu les fragments d'étoiles. Aujourd'hui, la course des pingouins. Tu es ouverte. Ouais. C'est où que je m'inscris? La course des pingouins va bientôt commencer. Tu veux participer? Oui. Ah non, en plus j'ai un retour Windows. Hop. Ok. Sous l'eau, Mario. Oh, il est saoulant. On va pas aller sous l'eau. Mais non, mais... Merde. Et j'ai raté la carapace, bon bah. Non, Mario, quelle catastrophe. Tu es débile. Voilà, j'espère pouvoir les rattraper. Non. Tu n'es pas un dauphin, Mario. Calme-toi. C'est bon, il y a pas moins, il s'est fait bouffer par une anguille. J'ai peut-être dû rêver. Non! Allez. C'est pas trop mal, pas trop mal. Pas de bêtises. Ah, je suis quatrième, troisième. On arrive au bout. Je veux pas être premier. Je suis trop deg. C'est quoi ça? Oh oui, un boost! Deuxième boost, s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Oui! C'était limite, hein. 1 minute 26, t'es un champion. Tiens, t'as bien maté cette médaille d'or. Oh, il est immonde avec son bonnet et ses sourcils jaunes. Bon bah ça va, on va y aller vite, hein, pour cette galaxie. On a déjà fait les 3 quarts des étoiles, on a fait 2 étoiles sur 3 en même pas 10 minutes. Bon, ça sent les 3 galaxies, hein. Alors... 60e étoile, nouveau record. Oui, nouvelle galaxie a été découverte. Un goinf volume est apparu. D'accord, c'était quoi ça? Ah non, c'était pas 67, c'était 7. L'observatoire de la comète a recouvert toute sa puissance. Nous pouvons à nouveau voyager entre les galaxies. Ah mais non, madame. Pousse. Le moment est enfin venu. Veux-tu te rendre au cœur de l'univers où t'attends celle qui t'est chère? Non, pas tout de suite, j'ai pas encore fini le let's play. Ah ok, reviens me voir quand tu te sentiras prêt. Oui. Oh là là. Grosse folle. Bon bah du coup je vais retourner à pied, hein, parce qu'elle m'a fait quitter. Mais oui, moi j'ai cru que c'était 67 et je me suis dit oh bah ça va, on est large. Très large. En fait non, pas du tout. C'est bon, là on a la fin. Mais je vais quand même faire les dômes, hein. Croyez pas. Je pourrais finir là en vrai, mais je vous aurais même pas montré tout le jeu. Je vous aurais montré que deux tiers du jeu, c'est un peu con. Par contre, le coin Fruluma, il est où? Ah, il est là-bas. On le fera peut-être tout à l'heure. On verra. Hop. Oh non! Bon bah, nouvelle galaxie. Ah oui. Bah la comète d'ombre c'est chiant, je peux pas la faire dégager en faisant... Oh, je vais la faire dégager autrement. C'est bon. Donc, la boucle océane est de nouveau libre.
J'ai payé 20 fragments d'étoiles à l'humain pour qu'il les fasse dégager. Et du coup, c'est quoi la troisième? Qui trouvera les étoiles d'argent? Ah ok, bon bah ça va être relativement rapide, hein. Je vais juste faire un tour de solo et récupérer toutes les étoiles. Ah non, c'est sur l'arbre. Ah non, c'est partout, oh là là. Je veux bien moi, mais... Comment je vais au centre? Tout le monde à Bocloséane, cherchez les étoiles d'argent! Pourquoi il y a des abeilles? Ah, pour gagner autant de toi, utilise le joystick. Tu entendras un son dans les endroits où tu ne peux pas. C'est ce qui se dit dans le clan des abeilles. Ok. Ok, j'en vois une là-bas. J'en vois une là-haut. Donc en fait, il me faut la transformation en Mario abeille, hein. Pas besoin d'aller sous l'eau. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là. Bon bah, on va y aller, hein. Hop. Voilà. Non. Donc il y en a une là. Il y en a une là-bas ou même. Une quelque part là-bas, une là au centre et une dans l'arbre. Ok. Donc il y en a une là. Il y en a une là-bas ou même. Une quelque part là-bas, une là au centre et une dans l'arbre. Waouh, des étoiles d'argent! Je crois en avoir vu une dans le coin. Hop. Alors, oui, il faut payer le coin frulima, j'imagine. Ou pas. Diling diling, hé toi là, t'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une fausse envie de fragments d'étoiles, je vais en manger plein plein plein. Si tu m'en donnes 40, je me transformerai. J'en ai 29. Je reviens. On va lui trouver ça. Bah voilà. On agite un petit peu le Joy-Con partout. Bon, on va faire celle-là et on fera l'autre après. Allez, régale-toi. Oh, ça y est, je suis repu. Alors on y va. Transformation. Ah ok. Je vois le genre. Ah ok, faut que je m'y TP avec le canon par contre. Paf. Mais il y a quoi ici du coup? Ah. Ah ok. Ah c'est compliqué hein, j'ai... Je suis pas serein. Ah, on peut le faire, on peut le faire. Ah oui, là du coup je dois faire des putains de sauts à chaque fois. Heureusement que j'ai l'abeille encore. J'ai hésité à la garder, mais elle m'est vachement utile. Allez, dernière ligne droite. Tombe pas, tombe pas, tombe pas. Merci. Allez, on fait la vraie dernière étoile. Et après on s'attaque au coffre à jouer.
Oui, on sauvegarde. C'est pas très nécessaire, mais bon, on prend quand même. Et là, du coup, peut-être que je reviens en arrière pour m'occuper de l'arbre avant de partir je sais pas où. Non? Parce que regardez, c'est à côté. J'ai pas un très bon, une très bonne vision de la galaxie, donc faut que je regarde un peu. Donc je crois que je peux y accéder par derrière aussi. Ah oui, c'est plus simple d'aller par derrière. Enfin, je crois. Oui, c'est beaucoup plus simple, donc on va pas se casser la tête. Allez, on y va. Hop. La petite transformation. On récupère directement le premier fragment. Oh oh oh. C'est bon. On y va doucement, on fait des petits coups d'aile pour pas trop gaspiller d'énergie. Ah, dommage, j'aurais pu arriver sur le palmier dès le début. Voilà. Allez, hop. Je suis là, petit pingouin. Hop. On se met une petite réserve. Qu'est-ce qu'il y a là, du coup? Je vais me canoniser là-bas, mais est-ce que je peux revenir après? J'espère que oui. Oui, je peux. J'allais dire, je peux tout simplement faire ça, mais ça marche pas bien. Parce que je vois pas trop l'angle. Hop. J'ai eu super peur. Hein. Allez. J'ai eu vachement peur. Du coup, j'ai tombé dans le vide parce que Mario savait pas en quelle gravité s'accrocher. Allez hop, on est reparti. La troisième est juste là. En vrai, j'ai pas forcément besoin d'utiliser Mario Abeille, et là j'aurais pu juste nager. Cette tour, elle me rappelle un niveau dans Mario Sunshine 4. La forteresse volante, là, ou je sais plus quoi. Allez hop. Maintenant, comment je fais? Je vais là. Hey, si tu veux voir le capitaine, utilise cet anneau étoile. Bah non, pas besoin. J'ai pas envie de le voir, le capitaine Toad. Oh, par contre. Ah, je peux pas me transformer. Je peux pas choper une carapace quand je suis Mario Abeille. C'est très con. Hop là. Ça devrait aller mieux là. Hop. Ok, c'était rien. Donc j'ai perdu ma transformation pour rien. Est-ce qu'il y a un truc là-haut? J'ai pas l'impression. Ouais, non, y'a rien là. Hein. On va juste nager jusqu'à l'arbre. Mais ouais, cette planète est sympathique, même si je m'attendais un petit peu mieux. Parce que c'est beaucoup de niveaux que j'aime pas, genre les courses et tout sous l'eau, parce que l'eau c'est pas très maniable malheureusement. Aïe. Pardon pour l'eau.
Donc. Hey, utilise cet anneau étoile pour rejoindre le capitaine. Mais je veux pas rejoindre le capitaine, laissez-moi. Par contre, j'aurais bien voulu être une abeille. Vous avez pas une transformation abeille qui traîne là? Nous, les abeilles, nous pouvons nous poser sur ce nuage. Oui, tu n'as pas un champignon abeille du coup? Bon, on verra ça après. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une musique. Une vie. On s'en fiche un petit peu. C'était pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il me donne, lui? Papy pingouin. Oh, il a l'agitation dans la boucle de chêne. Il s'est passé quelque chose? Oh, trois fois rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour venir ici. Mais comment je fais pour aller en abeille ici? Ils sont bien gentils les gens, mais... Ah, bouge-toi, toi. Attendez, on va essayer de passer par l'autre côté du coup, mais... C'est chiant. Hop. Alors... Comment on fait ? On va sur le rocher, j'imagine. Voilà. Et on va directement là. Oui, ça, le chemin derrière. Ouais. Hop. Oui, on peut aller par là. Faut que je tue toutes les araignées ou ça se passe comment? Aïe. Oh non. Ne tombe pas. Non. Comment je reviens du coup? Hop. On va peut-être tomber en l'eau. Comment je monte? Par là. Oh non, 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 non! Oh là, je suis en train de galérer dans cette étoile alors que c'est facile. La honte. On va essayer de monter par là. Hop. Genre, je peux mettre sur la branche, ouais, et faire ça. Bouge de là, toi. Ok, c'est moi qui me fais galérer pour rien en fait. Hop. C'est bon, la dernière étoile est là. Et du coup, j'imagine l'étoile va arriver vers le papy pourgoin. Oui. Ah non. Bon bah go. Hop. Imaginez deux secondes, je fais une attaque rodéo sur le côté et je tombe dans le vide. Voilà. Vous avez imaginé. J'aurais eu un somme immense. Alors, du coup, j'ai plus trop le temps de faire le coffre à jouer, même si j'aurais beaucoup aimé le faire. Ah, quoique. Non. Non. Ça va être trop long après.
Hop, je vais juste faire le goinfre luma. Histoire de stamina en beauté. Et dans le prochain épisode, on terminera le sous-dôme et on ira dans le prochain dôme. Il y a un prochain dôme, non? Rassurez-moi. Il n'y a pas un dôme tout là-haut? Ah non! Si, il y en a un. Par contre, quelle idée de tomber. Faut pas faire ça, Mario. C'est débile. Regarde, tu vas devoir te retaper tout le chemin et te prendre un poteau. Si, il y en a un dernier niveau, là. Ok. Et ça te l'est plus dur, en plus. Diling, diling, hé, toi, là, t'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je vais en manger plein. Tu me donnes 1000, j'en ai 1000, ça tombe bien. Par contre, le prochain, il va nous demander genre 1800 ou 2000, je le sens venir. Donc là, il faudra bien renflouer notre réserve. Allez, vas-y. J'espère que c'est un niveau fun. Allez, c'est parti. Champignons au choix. Ah, alors ça me disait rien vu le nom et là ça me dit quelque chose, mais ça me rappelle pas des très bons souvenirs. Quoique, c'était quand même fun. C'était chiant mais fun. Enfin, je sais plus. Oula, te brûle pas les fesses, Mario. Il est fou. Hop là. Donc là, oui, j'ai le choix entre le Mario abeille et le... Hop là. Et le Mario Boo. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire que le Mario Boo serait plus intéressant, parce que je peux voler en illimité. Parce que là, j'ai pas mon droit à me poser, en fait. Alors que là, regardez. Oh là là, c'est vrai qu'il faut que je bats un peu des bras. Comme un poulet. Allez, avance, 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 avance. Je sais pas si Bouy craint de l'eau. Je crois. Je crois pas, j'allais dire. Ah, quelle vie! Bon, bah, le bout, c'est le plus simple, hein, je trouve. Ah, je me serais bien débarrassé, dommage. Oh, le chien. Allez, on y va, pépouze. On fait attention à l'eau, on va voler bien haut. Alors, me touche pas. J'étais trop gourmand. Non, tout va bien. Oh. Est-ce que la lune qui illumine le ciel est comme ça? Comment je fais? Je fais la spirale. Ça va être chiant. Je peux pas. Caméra. Ouais. Oh, je le sens pas bien. Allez, on peut le faire. Je sais pas s'il y a de la gravité, donc j'ose pas faire. Yes! J'ose pas faire un saut en longueur. Directement sur la lune. Ah, ça va, le jeu est pas pute. On évite de tomber dans le vide. Et c'est ces petits chemins là qui font peur. Regardez comment Mario il tangue. Ah bah oui, mais. Au pire, je pourrais attendre. J'y gagne quoi en fait à être en invincibilité et à y aller ultra vite. Si je marche, c'est pareil. Voilà, là je me laisse faire. C'est pas une bonne idée. Ah,
je sais pas. Hop, on y va comme ça. Oh non! Peut-être que si j'arrête ma course en plein élan, ça m'empêche de partir trop loin. Je sais pas. On y va doucement, on y est à côté là. Hop là. Je prends pas d'élan. Non Mario, calme-toi. C'est bon. Eh bien, j'ai perdu 4 vies dessus, hein. C'est chaud. En fait, quand t'as l'étoile, t'as l'impression qu'il faut aller vite. Alors que, bah, non, en fait, pas besoin de l'étoile, limite. Mais bon, galaxie complète. Oui, on a gagné pas beaucoup de fragments d'étoiles. La partie est sauvegardée. Du coup, oui, le taux de me harcèle. Il y a encore 3 galaxies à faire dans la salle des machines. Enfin, la Bowser, le coffre à jouer et une autre que je ne connais pas qui doit pas être très très longue. Donc ça, je pense qu'on pourra le faire tout en un épisode, qui sera peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Bon, c'est pas grave, je pense que vous allez apprécier un petit peu. Et après, on ira dans le prochain dôme, qui sera le dernier dôme. Et on fera peut-être un épisode Histoire d'Harmonie plus Comète Farceuse. On verra ça prochainement. Sur ce, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se trouve très vite pour la suite de notre Let's Play sur Super Mario Galaxy. On approche de la fin. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.